C'est bon, coupe. Après de la disqueuse, comme je vous ai montré donc dans les vidéos, je vous montre les pièces que du coup j'ai fabriquées. Donc hier, on a coupé le canon. Donc hop. Donc ça c'est du canon, donc c'est un morceau de 45 en diamètre extérieur et donc un trou au centre de 30. Donc oui, ça va faire un sacré canon, on voit le centre là. Voilà. Et donc c'est un morceau de 55 cm de long. D'accord? Bah c'est pas mal. Ça pèse environ 5 kg. Donc rien que le canon il est déjà pas mal lourd. Et hier j'ai découpé ces pièces. C'est ça qui a fait beaucoup de disqueuses. Parce que c'est plutôt épais, voilà, donc c'est du 8 mm d'épaisseur, la toute bien épaisse. Et donc ces pièces vont servir à en fait venir tenir le canon sur un axe, comme ceci. Désolé si je filme un peu mal, je suis obligé de regarder ce que je fais en même temps. Pour en fait après venir souder sur le châssis. Donc en fait c'est vraiment les pièces qui vont tenir le canon, donc il faut que ce soit quand même solide. Donc j'en ai découpé deux bien évidemment vu qu'il y a deux côtés. Et donc ensuite on utilisera ce fer rond, un fer rond de 20 qui servira donc à être soudé sur le canon et passer à travers des trous qu'on va percer ici. Donc on va percer les trous là. Voilà. Donc là je vais vous filmer un peu le perçage. Là au moment où je vais percer, j'en profite pour vous montrer un petit outil tout bête que je vous ai fabriqué, enfin que j'ai fabriqué, pardon. C'est simplement en fait deux petites cornières qui sont soudées. Et donc en fait ça permet, quand on vient percer, de caler le forêt dans le coin, et comme ça on perce bien droit, bien d'équerre. Sachant que c'est de la tôle assez épaisse, bah ça va permettre d'avoir un trou droit.